Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies Donc déjà je m'excuse de la, de la voix euh, pour cette vidéo euh, Je suis un petit peu malade Donc euh, on va faire avec Donc je vais vous présenter le euh, Samsung Galaxy S4 Zoom Donc, Vous avez pu découvrir une petite vidéo euh, rapidement Du euh, déballage du, euh, du smartphone Donc euh, qui va faire également euh, photophone en fait entre guillemets et donc euh, cette vidéo a pour but de, de rapidement revenir sur les caractéristiques de euh, ce smartphone et également de voir un peu euh, la prise en main de celui-ci et notamment de sa caractéristique puisque comme son nom l'indique, il possède un zoom et donc c'est ce qui fait la force de ce mobile. Donc on est sur un packaging classique, on retrouve ici toutes les caractéristiques du euh, smartphone et ici on a une photo de notre smartphone. Donc voici le fameux Samsung Galaxy S4 Zoom. Donc il m'a euh, été euh, gracieusement prêté par Pixmania que je remercie euh, au sein de cette vidéo. Euh, donc ce smartphone, la particularité de, de celui-ci, comme, euh, comme vous pouvez l'imaginer, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'il intègre un zoom. C'est un zoom optique 10X, donc c'est pas commun euh, de ce qu'on peut avoir sur les autres. Euh, sur les autres smartphones qui ont plus un zoom optique, euh, donc ce, ce zoom euh, permet de tout simplement d'offrir une meilleure qualité de photo et bien sûr, euh, ça se voit notamment dès lors que vous voulez, euh, dès lors que vous allez vouloir zoomer sur une, sur une photo, on va tout de suite se rendre compte de la qualité de, du zoom et pourquoi, euh, pourquoi on peut le classer dans la catégorie euh, appareil photo plus que euh, mobile et c'est d'ailleurs euh, selon lequel Samsung euh, euh, le secteur sur lequel Samsung privilégie ce S4 Zoom puisque euh, j'ai pu voir dans diverses boutiques euh, que, cette que, cette, euh, que ce smartphone pardon, était vendu sur l'espace euh, APN donc euh, tout ce qui est appareil photo numérique et non sur l'espace mobile en revanche, chez certains opérateurs, on, euh, on voit des offres pour, pour ce Galaxy S4 Zoom. Donc on est vraiment en fait dans, le, dans les deux mondes, entre le monde euh, d'appareils photo et le monde smartphone. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un dispositif un peu, un peu particulier, un peu, euh, un, un peu original. Euh, on avait déjà euh, vu ça chez, chez Samsung avec leur Galaxy Camera. Donc euh, lui était vraiment un appareil photo mais on retrouvait euh, cette surcouche euh, cette surcouche Android et d'ailleurs on se posait la question euh, pourquoi, euh, pourquoi Samsung ne poussait pas le vis jusqu'au bout euh, sur ce dispositif et pourquoi il permettait pas euh, notamment d'appeler puisqu'on pouvait insérer une carte cible notamment pour bénéficier de la 3G. Donc euh, donc voilà, ils ont fait euh, la firme sud-coréenne a, a pris le parti de de faire ça dans ce euh, S4 Zoom. Donc c'est un smartphone, voilà. Euh, Peut-être que ça ne euh, laisse pas transparaître que c'est un smartphone, mais si on regarde euh, le, 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 enfin, le dispositif, le smartphone ainsi, euh, vous pouvez voir que euh, on se croirait avoir en main un Galaxy S4 Mini. En effet, les caractéristiques de ce Galaxy S4 Zoom sont euh, ni plus ni moins que celles du Galaxy S4 Mini. Donc malheureusement, vous ne trouverez pas. Toutes les euh, fonctionnalités du S4 euh, classique, euh, Galaxy S4 classique. Mais en revanche, vous allez retrouver donc euh, un écran, donc, euh, Super AMOLED. Donc, c'est un écran de 4,3 pouces et il offre une résolution de 960 par 540 pixels. Donc, on est très loin, bien sûr, euh, des euh, autres euh, définitions, euh, que ce soit par le Retina ou par, euh, par, les, autres, euh, par les autres smartphones phares. Des, des full HD, mais on est sur quelque chose de plutôt euh, moyenne gamme euh, et euh, c'est clairement, euh, clairement ce, que, ce que vise le marché de toute manière du S4 Mini. Donc, euh, donc voilà, on est plus sur du euh, milieu de gamme. Concernant les dimensions de l'appareil, donc on est sur du 63,5 mm de large, on est sur du 125,5 mm de haut et on a par contre une épaisseur de 15,4 mm. Donc là, autant dire qu'on est, euh, est deux à trois fois plus épais qu'un smartphone classique. Si on compare par exemple avec le Galaxy Note 3, euh, qui, est, qui est pour moi extrêmement fin, vous euh, voyez, on est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus épais. Et, euh, et c'est clairement dû euh, notamment à ce, euh, à ce zoom et également à cette, à cette poignée qui, est, euh, qui permet de prendre en main le, euh, le smartphone. En revanche si je le compare par exemple au nokia 1020 que j'ai ici donc qui lui offre euh, bon j'y reviendrai euh, j'y reviendrai dans une vidéo mais qui lui offre un capteur de 41 mégapixels donc vous voyez ça déborde un tout petit peu on se retrouve avec un zoom différent c'est pas c'est pas un zoom optique euh, comme celui ci mais c'est un zoom numérique et on a tout de même de d'excellentes euh, photos dès lors qu'on veut zoomer et vous voyez L'épaisseur vient se rajouter dès lors qu'on incruste notre smartphone dans ce petit grip, en fait. Donc, c'est le grip caméra. Et vous voyez, ici, ici, on se retrouve plus avec un, un appareil euh, comme le, euh, le S4 Zoom. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose qui a une poignée qui est relativement gros également. Mais par défaut, le euh, Lumia 1020, il est beaucoup plus transportable, il est beaucoup plus fin, pardon que euh, le Galaxy S4 Zoom. Donc ça c'est un point euh, faible entre guillemets, mais, euh, mais si on considère que le smartphone c'est plus, plus un appareil photo, ça ne devrait pas vous gêner d'avoir euh, cette taille de euh, cette taille de enfin cette épaisseur pour ce smartphone. Concernant les autres caractéristiques euh, qui, euh, qui, font, euh, qui font la force de ce euh, de ce S4 Zoom. Donc on a un processeur, donc c'est un double cœur cadencé à 1,5 GHz. On a une batterie de 2330 mAh. Donc là, tout dépend, l'autonomie, tout va dépendre de votre utilisation. Si vous êtes un gros amateur de photos, bien évidemment, vous allez, vous allez faire chuter plus rapidement la batterie. Mais, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir quand même tenir quelques heures. Avant de, avant de complètement euh, euh, bouffer euh, entre guillemets toute la batterie. J'ai parlé des, des dimensions, mais j'ai oublié de mentionner le poids. Donc le poids c'est du euh, 208 grammes. Donc euh, bien évidemment on est, euh, on est, euh, on est sur quelque chose d'assez lourd. Euh, de toute manière on le ressent dès qu'on prend l'appareil en main. Euh, le côté le plus lourd c'est bien sûr euh, sur euh, côté zoom. Donc euh, donc voilà ça, ça pèse, ça pèse son poids. Donc euh, donc il faut, il faut prendre en main, je pense, le, le smartphone si vous voulez euh, au moins le tester pour, euh, pour savoir si euh, celui-ci peut faire office de smartphone pour vous. Euh, concernant la connectique, bah, on retrouve euh, du classique. On retrouve ici de l'USB. Alors sur le côté droit ici. Si, ici on retrouve un petit micro. Si j'enlève la trappe ici, je vois que j'ai euh, la batterie. Donc la batterie, il me suffit de l'ouvrir et je la ressors. J'ai également un emplacement pour la carte SIM ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo. Voilà. Ici, j'ai un emplacement pour la carte SIM. Euh, sur le dessous du euh, téléphone, donc sur la tranche du dessous, je vais avoir un emplacement pour ma carte micro SD. Je vais également avoir un pas de vis ici euh, standard pour euh, tout type de trépied. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici Je vais avoir une grille pour euh, le haut-parleur. Sur le dessus, je vais avoir un autre petit micro ici. Je vais avoir également ma prise au jack euh, traditionnelle, donc qui va me permettre de brancher euh, mes écouteurs. Et je vais également avoir un, euh, un port infrarouge, donc qui va permettre de commander à distance des, euh, des dispositifs par, par ce port-là. Sur le dessus, je vais retrouver le traditionnel bouton power. Je vais retrouver le bouton de volume. Et quelque chose de plus surprenant, mais qui n'est pas surprenant pour un, pour un appareil photo, c'est euh, en gros c'est le shoot. Donc c'est qui va permettre de euh, lancer, enfin de capturer euh, l'image. Donc je peux directement cliquer ici, puisque bien sûr je prends mon téléphone et j'appuie sur ce bouton. Sur la façade avant ici, donc on retrouve une grille de haut-parleur. On va retrouver une caméra frontale. Euh, donc c'est une caméra frontale, que je ne dise pas de bêtises. Euh, c'est une caméra frontale qui permet de vis... Euh, je vais dire des bêtises, je ne l'ai pas noté. Euh... Je ne l'ai pas noté, bon, je le je spécifierai dans, dans l'article. Je pense que c'est une caméra frontale classique, qui va nous permettre, VGA, donc qui va nous permettre de de prendre des captures, euh, des cap, enfin des, de la visio, faire de la visioconférence. On retrouve ici une série de capteurs. On a la marque Samsung. En bas, on a le traditionnel bouton physique Samsung et on a deux boutons capacity donc le retour et euh, le bouton menu. Sur la façade avant, on retrouve bien sûr notre capteur que, donc, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est un capteur, euh, c'est un capteur optique. Donc je disais des bêtises, un, un, je m'emmêle les pinceaux, je suis désolé. C'est un zoom optique 10x. On va euh, retrouver ici un flash Xenon. Donc euh, tous les amateurs de photos apprécieront. Euh, et, euh, et notamment bon, bah, pour tout ce qui est éclairage, euh, c'est éclairage, euh, le mieux. Euh, c'est le must en fait euh, dans, dans ce type... Euh, dans ce type d'éclairage, on retrouve également un, un xenon sur, euh, sur le Nokia Lumia 1020. Donc euh, voilà, on, sinon on a des euh, flash LED euh, sur les autres smartphones traditionnels, même sur les smartphones haut de gamme. Donc concernant la caméra frontale, je reviens à ce que je viens de regarder l'info, donc on est sur une caméra frontale, pardon, je disais des bêtises, donc de 1,9 mégapixels. Et à l'arrière, on a notre capteur ici donc de 16 mégapixels, donc en CMOS et il y a bien sûr une mise au point euh, automatique. Voilà pour euh, la présentation rapide de ce Galaxy S4 Zoom. Si euh, je démarre mon Galaxy S4 euh, zoom, donc vous allez voir qu'on est sur une interface oups, hop, on est sur une interface traditionnelle d'un smartphone bien sûr, puisque comme je l'ai mentionné, on est sur, euh, sur un smartphone. On va retrouver bien sûr donc tout l'univers Android avec la surcouche TouchWiz de Samsung. Comme vous allez le voir, on est sur une version de Android donc 4.2.2, qui est supérieure à celle de euh, qui est supérieure à celle du Galaxy Camera. Vous allez avoir donc toute une panoplie de vous allez avoir toute une panoplie de, de de possibilités, de fonctionnalités, notamment vous allez retrouver S-Beam, vous allez retrouver All Share, vous allez bien sûr retrouver le Screen Mirroring, donc qui, qui affiche l'écran sur un autre appareil. Donc ça, c'est assez sympa si vous voulez, notamment pour ce genre de, pour ce genre de mobile, voir vos photos sur votre téléviseur. Vous allez bien sûr, donc l'écran de verrouillage, je vais essayer de le modifier parce que euh, le temps. Euh, donc, parce que ça va assez vite. Euh, mise en veille de l'écran. Oui, au bout de 10 minutes, voilà. Comme ça, je serai tranquille. Donc je vous disais, vous allez retrouver donc toute une panoplie de, de paramètres traditionnels sur votre, sur votre téléphone. Vous allez bien sûr avoir accès au Wi-Fi. Vous allez bien sûr avoir une puce GPS. Vous allez également avoir du Bluetooth, vous allez pouvoir euh, gérer toutes sortes de, euh, mince, toutes sortes de, de paramètres depuis euh, cette interface classique Android. Vous allez bien sûr avoir accès au Play Store, donc il va vous permettre de télécharger toutes sortes d'applications. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur, sur un téléphone, on, 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 on se croirait sur un euh, Galaxy S4 Mini. Vous allez bien sûr, euh, donc là, il m'a téléchargé toutes mes applications. Vous allez avoir accès à S Voice. Donc S Voice, c'est euh, un peu le, euh, le Siri de chez Samsung. Enfin, c'est pas un peu, c'est le Siri de chez Samsung. Vous allez avoir également accès aux euh, Samsung Apps, donc qui est l'Apple Store, qui est l'App Store, pardon. Ouh là, là là là, je fatigue. Qui est l'App Store de chez Samsung. Et vous allez avoir tout plein de petites applications qui arrivent directement avec ce smartphone. Bien sûr, la galerie donc qui va vous permettre de voir toutes les photos que vous avez prises. Donc vous allez pouvoir naviguer au sein de celle-ci. Et donc l'application la plus intéressante pour ce genre de smartphone, c'est bien sûr l'appareil photo. Donc comme vous allez le voir, on est sur quelque chose de plutôt traditionnel dans euh, l'interface. Si vous avez déjà eu un euh, smartphone Samsung ou euh, vous avez vu les autres vidéos concernant euh, ce euh, ce Samsung, vous euh, pouvez voir que euh, qu'on est sur une interface classique. En revanche, la qualité des photos, bien sûr, est différente. Donc là, je vais essayer de faire un réglage différent de ma caméra. Donc hop, on voit un petit peu mieux la chose. Voilà. Donc, donc concernant cette, euh, cette application, donc déjà, vous allez retrouver donc, euh, une interface avec les modes. Donc vous allez avoir la configuration automatique. Vous allez également avoir un mode intelligent. Donc qui va vous permettre euh, par exemple de prendre des photos en utilisant différents modes intelligents. Donc vous allez avoir l'effet lumière, permet de prendre des photos de très lumineux euh, la nuit. Vous allez avoir l'effet feu d'artifice. Vous allez avoir l'effet nuit, l'effet coucher de soleil, l'effet silhouette, l'effet son et prise, l'effet gomme. Donc, ça, c'est assez sympa. Ça permet d'enregistrer la photo, euh, la meilleure photo, après avoir fait les objets en mouvement de cinq photos consécutives. Donc, là, si vous prenez 5 euh, si photos, voilà. Donc, là, il va prendre la plus intéressante et il va lui-même se faire le montage. Voilà. Euh, ici, aucun objet n'a été, été détecté. Bon parce que personne ne bougeait, mais voilà, si je bouge un appareil, euh, c'est plutôt euh, sympa. Hop. Vous allez également avoir d'autres effets, donc, si je reviens, vous allez avoir le mode euh, chronophoto, vous allez avoir le mode photo animé, donc créer des images dans lesquelles quelques objets sélectionnés sont en mouvement, en figeant ou en animant les objets en mouvement détectés automatiquement par l'appareil, vous allez avoir le mode cascade, vous allez avoir bien sûr le mode panorama, le mode ton riche, le mode action qui permet de prendre des mouvements rapides. Donc ça c'est euh, sympa si, euh, si par exemple vous faites euh, comme, euh, comme la photo l'indique, si vous faites du skate et vous voulez voir euh, tout, votre, tout, votre, tout votre enfin votre mouvement complet, vous pouvez passer en mode action. Voilà donc ça c'est euh, tous les modes qu'il existe Donc vous voyez il y en a euh, il y en a pas mal. Si je reviens hop, Ici, donc vous avez vu qu'aussi on a un mode expert. Donc là, autant dire qu'on déverrouille, on débride l'appareil. Et là, vous allez pouvoir vous amuser puisque vous allez pouvoir modifier notamment euh, le réglage des ISO, donc de la sensibilité. Vous allez pouvoir modifier la balance des blancs. Vous allez pouvoir modifier la mesure. Vous allez pouvoir modifier donc le mode, passer en mode continu. Vous allez pouvoir modifier la valeur d'exposition etc etc donc vous allez pouvoir débrayer votre euh, samsung euh, galaxy zoom pour qu'il prenne les photos euh, dans le meilleur euh, avec le meilleur cliché possible donc là tous les amateurs de photos apprécieront euh, vous allez donc voyez vous avez différents réglages que vous pouvez mener bien sûr euh, comme vous le souhaitez selon euh, selon votre euh, votre aisance à paramétrer donc un appareil photo. Voilà, donc là on a la vitesse, on peut modifier la vitesse de de l'obscurateur, on peut modifier l'ouverture. Donc euh, voilà. Donc en fonction de ça, votre photo va être plus ou moins réussie et bien sûr, vous pouvez remettre en configuration automatique très facilement. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre comme paramètres Ici, on va retrouver différents paramètres, donc les réglages, donc on va pouvoir détecter le mettre le flash, on va pouvoir bien sûr Régler le retardateur, l'affichage de la détection, la taille des photos, donc qui va nous permettre de choisir quel type de photo on souhaite. Pour la vidéo, les tailles de la, la taille de la vidéo. Et vous allez bien sûr pouvoir activer le partage directement depuis votre smartphone. Puisqu'il embarque une puce 3G, l'idée c'est de partager automatiquement les photos que vous êtes en train de prendre. Et ensuite vous avez différents réglages également. Depuis ce menu, donc si je prends un cliché, hop, donc, vous voyez, j'ai pris une photo et là, donc, euh, bon, il y avait le flash d'allumé, mais je me retrouve avec une photo vraiment nette et je peux zoomer sur celle-ci, euh, vous voyez, il n'y a aucun problème. La qualité est vraiment, vraiment excellente, vous voyez, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est euh, notamment euh, dû à, euh, donc, le capteur, bien sûr, de 16 mégapixels, mais également le zoom. Qui, comme on va le voir, va, hop, va être extrêmement important. Donc, je peux zoomer en utilisant ici. Euh, hop. Voilà, je zoome ici en utilisant la petite bague que je ne vous ai pas montrée. Donc, qui est ici. Et donc, qui va me permettre de euh, régler ou non le zoom. Vous voyez Ici, je peux zoomer. Hop. Donc, là, je zoome. Donc là, je vais essayer de faire le point. Donc je suis juste à côté du, je suis juste à côté du du smartphone. Donc c'est pas non plus idéal de, de zoomer. zoomer. Vous voyez ici, je zoome, tac, ah. tac. Voilà. Donc là, j'ai pris ma photo et comme vous allez le voir, celle-ci est plutôt nette. Donc là, il y a un problème de flash hein, parce que j'ai laissé le flash allumé. Mais, euh, mais voilà, on est sur quelque chose quand même de euh, relativement euh, intéressant au niveau photo. Euh, en tout cas, c'est euh, clairement ce que, euh, ce que souhaite mettre en avant, euh, en avant Samsung. Outre le fait que, euh, que il peut, euh, ce Galaxy S4 Zoom sert à téléphoner, il va surtout servir euh, à, euh, à prendre des photos, à prendre des super clichés. Et donc, euh, c'est plutôt un appareil hybride intéressant. Euh, je l'ai eu en main, euh, j'ai pris en main pendant quelques semaines. Et je dois dire que c'est plutôt sympa. Bon, après, pour téléphoner, c'est un, euh, un peu plus embêtant. Euh, je vous laisse imaginer de, de mettre ça à l'oreille. Euh, les gens vont vous prendre un peu pour un fou de dire Mais attends, il téléphone euh, avec son appareil photo. Donc, euh, donc voilà, mais, mais en tout cas, le, le, le concept est intéressant. Euh, il va enfin, c'est clair que ça va pas plaire à tout le monde mais tous ceux qui aiment un peu la photo et, euh, et qui sont pas dérangés par, euh, par porter euh, un, un tel smartphone dans leur poche euh, voilà ça peut être, ça peut être un compromis intéressant. En tout cas moi j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé pense euh, je pense, euh, pense l'utiliser un peu plus euh, au quotidien euh, ça, bien, bien évidemment ça ne sera pas mon smartphone euh, de, de tous les jours. Mais en tout cas, pour, pour une petite balade et tout, euh, est plutôt, il est plutôt compact, plutôt intéressant. Et la qualité des photos est plutôt bonne. Donc voilà pour ce Galaxy S4 Zoom. Je pense avoir fait le tour. Bien sûr, il y aura un article qui va suivre. Et j'espère à tous que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, il y a toujours la partie commentaire, soit dans la vidéo, soit dans l'article qui va suivre. En tout cas, vous pourrez toujours me contacter, même également sur Twitter, si vous le souhaitez. Euh, donc voilà, vous avez vous avez toute une panoplie de, de réseaux pour me contacter. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à tous une très bonne journée, à très bientôt pour un nouveau test. Allez, au revoir.